Les illusions perdues de Honoré de Balzac, c'est un des livres que j'ai lu pendant mon adolescence, à un moment où je pense qu'on construit ses goûts. Et puis par ailleurs, il se trouve que l'itinéraire de ce personnage, qui est un personnage à la fois ultra ambitieux, plein de talent, mais pas avec une grande intégrité, qui va se brûler les ailes au contact de la vie parisienne, c'est un truc qui me touche. J'ai le rêve caché d'en faire une adaptation très 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 lointaine et libre. Mais je trouve que c'est tellement contemporain, c'est une critique des médias, mais acerbe et d'une justesse infinie. Voilà. J'aime beaucoup la mélancolie de toute la série des Douanel. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre quand tu as écrit « On s'expliquera sur tout » ? Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe ? Eh bien, dis-le-moi. Parce que j'arrive pas à écouter. Je pense que les films, c'est un petit peu comme les odeurs, c'est comme pas mal de choses épidermiques, comme les musiques. Quand on les a vues à des moments précis de notre vie et qu'on les revoit, on est ramené à ces moments-là. Et donc c'est assez beau. Les moments où j'ai découvert François Truffaut, c'est des moments qui sont assez doux à ma mémoire. Et moi, je suis de l'époque bad. Disons que toutes les participations de Quincy Jones à quelque chose, ça a produit des morceaux, moi, qui me donnent assez fréquemment envie de danser. Fauve, c'est un groupe un peu collectif, voilà. Ça s'appelle Nuit Fauve, le morceau. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar, quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare, un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un